Maintenant, je sais que c'est toi, qui guéris, c'est toi, qui délivre, c'est toi, qui restaure, c'est toi, qui bénis. Maintenant, viens accomplir tes projets, tes promesses, dans ma vie. Restaure mon âme, guéris-moi, soutiens-moi. Pendant que nous sommes là, le Saint-Esprit est en train d'apporter la délivrance dans leur vie. Vous voyez? Je peux même voir les esprits. Je peux les voir. Je vois là un esprit humain. Et un esprit de mort au niveau de son cœur. Et c'est là, dans le cœur, que l'esprit de mort est. L'esprit humain, au niveau de sa conscience. Et son but, c'est de te faire tourner en rond. Ne pas que tu accomplisses des choses concrètes dans ta vie. La puissance de Dieu, je vois là. Quelqu'un qui a été programmé le 4 août. Un accident, il doit mourir. C'est qui l'a invité? Et toi, tu l'as invité? Tu as bien fait de l'inviter. Parce que cet homme-là, il veut faire un accident. Il voit un esprit de sorcellerie. Il est tourmenté, il est lié, mais la puissance de Jésus le libère aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, il a un esprit de mari de lui qui est placé dans le parfum. Et pendant que je parle, il te libère au nom de Jésus. Parce que son but dans ta vie, c'est de bloquer ton évolution et d'empêcher le mariage dans ta vie, c'est du côté maternel. Tout est brisé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu, l'homme, lève-toi là. Au nom de Jésus. Laisse-le. Lève-toi. Va t'asseoir. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, la Bible, que la Bible soit ton âme. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Encore. Parce que quand Dieu bénit, quand Dieu délivre, il te délivre pour un but. Tu vois l'appel de Dieu sur toi. Tu vas servir Dieu. Il y a un appel prophétique sur ce qui nomme. Alléluia. Dieu va l'utiliser. Est-ce que tu vois? Détruis les œufs, la sorcellerie dans ta famille. Surtout le côté maternel. Esprit de mort plat. À partir d'aujourd'hui, prends ta vie au sérieux. Prie le Seigneur, Dieu contre toi. Amen. Ça va? J'ai vu l'Esprit descendre. La restauration, la paix, les portes sont ouvertes dans ta vie. Tu as un mois. Après un mois, tu verras, tout va changer dans ta vie. Dieu va se manifester. Tu peux aller t'asseoir dans l'ombre du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour aller t'apporter le nom de l'Esprit dont j'ai parlé? Marie-Denis, tu as compris? Côté maternel, elle est libre aussi. Mais je sais que tu sais de quoi je parle. Lève-toi, femme, au nom de Jésus. C'est fini, va t'asseoir. Voilà, ça va faire une mort, Maïs. Los Canta, Bayon de Fritz.
un parti de vous. Tu vois un don de louange là. Tu vois un don de louange dans la vie de cette fille là. Un don de louange. Elle va chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Je vois une trompette dans sa bouche. Le Saint-Esprit me dit un don de louange. Et à partir d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu prend le contrôle de sa vie. Elle s'appelle comment? Espérance. Espérance. Lève-toi au nom de Jésus. Laisse-la, laisse-la. Ne vous fatiguez pas. Espérance, Dieu te veut dans la louange. Tu vois donc louange à toi. Je vois la grâce, la prière qui est en train de descendre dans ta vie. Le Saint-Esprit me dit de te dire que quand il choisit une personne, c'est lui qui amène cette personne à accomplir son appel. Dans tout ce que tu feras, ne te dis jamais je ne peux pas, parce que tu peux. Dis avec moi je peux. Et le Seigneur te fait du bien. Tu as besoin de Jésus. Je vois les liens de famille qui sont en train de tomber. Ces liens de famille là, les esprits des morts qui se manifestent par la maladie. Et Dieu veut t'apporter la paix en ce jour. Dieu veut te faire du bien. Et le Seigneur t'aime. Oh Père, merci pour ta grâce. Que soit la paix et la restauration. Que t'esprit te lien. L'esprit des morts. Écoute cela au nom de Jésus. Je la vois se déplacer, de sortir d'une maison et elle entre dans une autre maison. Le Seigneur me dit que les liens de famille sont coupés au nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, ne connaîtra pas la maladie, la dépression, parce que Dieu agit et Dieu lui donne la paix. Que tu t'es c'est tangible, il faut le dire. L'Esprit l'a touché, l'Esprit s'est manifesté, s'est levé, l'a chanté pour sa gloire. Et voici son mari qui est en train d'entrer dans une nouvelle dimension.
Dieu t'a envoyé ici pour que je t'amène dans une nouvelle dimension. De la même manière, Samuel est allé chez Isaïe pour voyager dans ta vie. Et lorsque ce voyage est tombé sur ta vie, je pose l'onction royale sur toi. Et qu'à partir d'aujourd'hui, ton ministère change. Les signes et les prodiges s'accomplissent. Au nom de Jésus, mon Dieu. Au nom de Jésus, signe. Prodiges, mon Dieu. L'esprit est en train de te, ouais, de te donner les dons spirituels. La puissance en onction. En onction. Je te choisis pour annoncer la puissance de ma résurrection aux nations. Et les signes et les prodiges t'accompagneront. Les malades seront guéris. Le paralytique marchera. Le sourd entendra. Au nom de Jésus. Voilà. Dis à ton frère, ne paye plus les billets d'avion pour aller regarder le pays là-bas, loin. Payer le billet d'avion. Amen. Amen. Dis à ton frère, ne paye pas tout. De toi, parle de sa part. Les choses vont changer. Dieu va t'utiliser puissamment. C'est une nouvelle saison, c'est un nouveau vent. Ce que je te dis, c'est des confirmations. Alléluia. Mais tu le sais. Cette année même, tu verras l'exaucement de tes prières dans le réveil que tu as demandé à Dieu, dans les signes, l'accomplissement des miracles. Dieu me dit, ne t'inquiète pas pour les finances de ton ministère. Il a déjà pourvu. Dieu veut la guérir. Dieu veut la guérir. C'est qui? Viens ici. C'est toi, ta petite soeur, ta soeur a mal aux pieds. Ta petite soeur, t'assois là. L'onction de Dieu la guérit là, mais pas toi. Tends la main droite, comme ça, tends la main. Voilà, pendant que tu tends la main, ta petite soeur est en train de recevoir la guérison. Et l'onction qui descend sur toi guérit ta petite soeur. Tu vas voir, quand tu vas rentrer à la maison, elle te dira que je suis guéri. L'esprit me montre ton cœur. Tu as un cœur de soutien. Et Dieu me dit qu'il fait de toi la marque de ta famille. Lève les deux mains simplement. Tu ne manqueras de rien. Les portes sont ouvertes. Et cette année, c'est ton année. Tu vas prophétiser, ma soeur. Et dis-la. Et dis-la, et dis-la. Posez-la, 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 soutenez sa tête. L'esprit est répandu en Europe, en France ici. Vous comprenez? Amen. Je vous dis la vérité. Dieu m'a montré dans une vision, pendant que je priais, alléluia, pendant 15 heures, j'étais en train de prier, j'ai vu, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, puissamment utilisées en Europe. Et j'ai vu les États-Unis qui ont dit, on n'a jamais vu ça. Ça commence par toi. Tes pieds ont quoi? Dieu te fera entrer dans des grands endroits. Tu vois des personnalités. Dieu t'a donné l'intelligence, la créativité, parce que tu es une femme qui doit entreprendre. Est-ce que tu sais ça? Oh my God, the breed of Cameroon, the sound, the mouth, ou la part, c'est le breed de ma. Je suis aide. Oh! C'est chaud! Mon Dieu! Ma soeur, Je vois une clé dans ta main droite. Lève la main droite. Ouf! Je vois une clé dans sa main droite. Oh my God! Ton
Quelque chose se passe. Et tu es en train de passer par ces maisons, tu es en train d'ouvrir ces portes-là. L'Esprit me dit qu'il ouvre les portes dans ta vie, tu serviras l'Éternel. Il y a une onction prophétique sur toi, une grâce prophétique sur toi. Tu parleras de sa part au nom de Jésus. Et tous ceux qui ont bloqué ton évolution, tous ceux qui se sont mis devant toi pour bloquer ta percée, Dieu les met en déroute à partir d'aujourd'hui. Parce que tu reçois une onction, une puissance, les choses changent, Mighty Ray! Cette année, Dieu veut manifester sa grâce dans ta vie. Le Saint-Esprit me dit que mets ta confiance en lui. Il n'y a que lui qui puisse t'élever. Dieu a besoin de ton cœur, de ta fidélité. Que tu ne comprends pas. La main de Dieu est sur toi. Tu vois des liens, des blocages qui sont en train de tomber. Et ton côté droit, tu vois une action de l'ennemi, une paralysie. Il y a une maladie qui devait t'atteindre dans 2 mois pour paralyser le côté droit. C'est un esprit de sorcellerie. L'esprit de mort, mais Dieu te libère au nom de Jésus. T'as compris? Je te vois la nuit dans ton sommeil, tu es beaucoup attaqué. Frère, accroche-toi à Dieu, parce que la main de la sorcellerie est manifeste sur toi. Amen. Tu as compris? Dieu va se manifester. Lève les deux mains. Pose-le. Jésus, je brise ça au nom de Jésus. Je chasse vraiment mort. Coup d'attaque. Il y a une délivrance qui est en train de s'opérer dans la vie des deux. Oh, viens. Quelque chose se passe là. C'est pas tout bien. Il va beaucoup transpirer. La délivrance. Tu as chaud? Va transpirer beaucoup. Je suis en train de libérer. Maintien. Pose-le. Fais attention, il peut récupérer parce qu'il va beaucoup trembler sur l'onction. Pose-le. L'esprit est en train de lâcher. Pose-le. Morceau. Ça, l'esprit le quitte. Au nom de Jésus. Je brise tes plans, tes projets, tes programmes au nom de Jésus. C'est fini. Le blocage est parti à partir d'aujourd'hui. La mort disparaît à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. L'Esprit t'accorde un temps d'intercession. Pour prier, lève-toi. Pour voir la main de Dieu, les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Lève-toi. Un temps nouveau pour toi. Un temps de gloire. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ta vie est folie. À partir d'aujourd'hui, les portes sont ouvertes dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui a été bloqué, détruit par l'ennemi. Le Saint-Esprit t'accorde la libération. Pose la main. C'est le robot. Pose la. Cette femme-là, la main, bien sûr. Tu vas entreprendre. L'Esprit va se manifester. Parce que ta destinée, c'est pouvoir contrer les grands. Dieu a mis cette tension sur toi. Pour t'élever, ma soeur. Mais la main du diable, la sorcellerie, est brisée en ce jour.
Je libère la grâce de Dieu sur ta fille. L'onction prophétique est sur toi, la puissance de Dieu. La nouvelle dimension prophétique commence parce que c'est ton temps de gloire. Et Dieu te révèle en ce jour parce que Dieu t'utilisera dans la puissance, dans la démonstration de sa parole. Tu vois l'esprit qui descend sur toi. Elle dit là, mon Dieu, quelle gloire! Posez-la. Puissance. Sois rempli, sois inondé maintenant de la puissance du Saint-Esprit, de ta tête jusqu'à tes pieds. Dieu t'arrose maintenant. Au nom de Jésus, je libère l'onction sur toi. Je libère la grâce. Que la dimension prophétique commence. Que Dieu réalise en toi ses projets, car Dieu te donnera des visions, des songes. Tu parleras au roi, tu parleras au grand, de la part de Dieu, tu voyageras, de la part de Dieu, les malades seront guéris, les malades seront guéris, les malades seront guéris, les sourds entendront, les paralytiques marcheront, une dimension de gloire, une dimension de gloire. Au nom de Jésus. Les portes dans ta vie, les portes d'affaires, j'ouvre cela au nom puissant de Jésus. Je restaure les activités au nom puissant de Jésus. Je libère voilà, ouais, bon, la porte. C'est Saint-Lô. C'est quoi? Tu as oublié. Elle a oublié. C'est Saint-Lô. Viens, viens, Saint-Lô. C'est Saint-Lô. C'est. Posez. Posez, ferme, posez, ferme. On y va! Mighty Lamb! Dimension de gloire! Posez là. Tu vas dormir pendant une minute, la dimension de gloire. Elle est notre invitée, ouais. C'est notre invitée, vous ne pouvez pas la laisser tomber comme ça. C'est notre invitée! Elle est notre invitée! Tant qu'il n'est pas bon, il est tant qu'il... Aidez notre invité dans l'onction prophétique. Aidez-la, je vous ai dit. Aidez notre invité. Notre invité est fatigué, donc laissez notre invité va dormir pendant une minute. Posez sa tête. Restauration pendant une minute. Voilà, elle est notre invité dormi. Ça va? Toi, on va s'attendre. Attends, lui, on va s'attendre. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi on va s'attendre? Toi et lui? Qui t'a envoyé mon nom? Elle est là. Elle est venue, c'est la Kima. Elle est arrivée, c'est la Kima. Mahama. Vous croyez que Mahama c'est la puissance créatrice de Dieu. Regardez, il va dormir pendant une minute. Regardez, il est en train de dormir. Regardez, il va dormir. Il dort. Guadeloupe. Tu sais, il y a un Guadeloupe là. C'est pourquoi Dieu va te prendre. Parce que moi, j'ai un contrat avec les Caraïbes. Amen. J'ai un contrat avec les Caraïbes.
Amen. Non, moi, c'est le chantier. Tu sais pas? Caraïba! Sois ouais. Posez la main. Ah. Bâtard de feu!